Radio. Merci de votre fidélité et vous pouvez bien sûr nous regarder et nous écouter. Eh bien, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook, notre compte Twitter, entre autres. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité François-Mickey Marty, président de Via Voice, Institut d'études et de conseils en opinion. Mais d'abord, on rigole, on se marre avec David Azria. Bonjour David. Bonjour à tous les Juifs. Sauf à ceux qui mangent au kidouche et qui oublient le repas de Shabbat de leur femme. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un groupe qui s'appelle Donna Mama Baïsarel. On l'avait reçu, c'est toi bien qui l'avais reçu. Et elle faisait également des chansons, cette jeune fille. Et on avait reçu cette dame ici. Et il y a beaucoup de femmes qui se plaignent que leur mari ne mange plus les repas le dans samedi. Le groupe. Comment exactement. Vous savez ça, vous? Ouais, j'ai un compte infiltré. Je vous raconterai ça plus tard. J'ai un compte et je m'appelle Déborah dans le groupe. Voilà. En fait, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent que leur mari ne vienne plus manger leur repas du samedi car ils s'empiffrent à la synagogue. C'est ce qu'elle a écrit. Et elle a écrit, mais c'est pas une mitzvah de se réjouir après la prière quand tu viens chez toi et que t'es bourré et que tu frappes tes gosses. Vraiment, là, on a atteint le paroxysme du samedi après-midi d'une famille à Levallois-Perret, quoi. Non, mais c'est vrai que chez nous, les Juifs, dès qu'il y a une bonne nouvelle, on mange. T'es enceinte, on mange. C'est une naissance, on mange. Une Brit Mila, on mange. Une Bar Mitzvah, on mange. Un mariage, on mange. Un enterrement, on mange aussi. Ouais. Je sais pas, t'avais un piège, mais c'est vrai qu'on mange tout le temps. Je sais pas, on a peur de manquer, ouais. J'ai l'impression. Sauf quand on jeûne pour des événements. C'est vrai. Et quand on jeûne, on est de mauvaise humeur. Mais on mange quand même le soir. Mais on mange pas normalement. J'imagine les gens qui font le carême, ils doivent manger le soir un petit paquet de figolus, un petit paquet de gerblés. Nous, on fait des tables. Elles finissent chez le voisin. C'est impressionnant. Non, moi, ça va pas trop, là. Parce que je reviens de vacances et je vous dis, il y a un truc que je vous ai pas raconté, mais en Israël, sur les trottinettes, il y a des casques. Sur les trottinettes là, il y a des casques. Des casques. Et personne ne les vole. C'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que nous, en France, il n'y a pas de casques et ils volent déjà les trottinettes. Donc imagine, ils te mettent des casques et des trottinettes. Il y a même des gens, ils ont des motos, ils cachent leurs casques et ils volent leurs casques en France. C'est impressionnant. Parce que là, j'ai pris la résolution, c'est bon, Hidalgo, elle a gagné, je prends plus ma voiture. Ah ouais? J'arrête. Non, franchement, non, c'est trop compliqué. Pas. Non, je vous jure. Anne, t'as gagné. Je te dis, t'as gagné. On vient, je te rends les clés de ma bagnole, c'est fini. Elle a fini le jeu, j'accepte. Aujourd'hui, je suis bien. Je veux plus me battre avec quelqu'un à 7h du matin sur un dépassement, sur une voie de bus. Je veux plus. Voilà, j'ai deux enfants, j'ai décidé, je marche. Je marche, y a rien. Je prends 2 heures, mais je marche. Je prends ma douche le matin, je mets un legging, je marche. J'arrive pas à l'heure, mais je marche. Je sépare les bagarres d'automobilistes, j'adore ça. Ah ouais? Ouais, y a un mec qui se tape, je sépare. Attention, la bagarre ne résout rien. Regarde en Ukraine, la Russie a perdu son temps. Mais je regarde les gens parce que moi, je viens du nord de la France et je trouve qu'à Paris, les gens, ils sont beaux. Ah ouais? Je sais pas si vous remarquez Paris, une différence entre. Par rapport aux gens du nord. Ouais, exactement. Vous êtes horrible. Oui, non, mais c'est une constatation réelle. Je trouve que vraiment, les Parisiens sont très, très beaux. Ils sont, il y a des gens, selon les régions, ils sont plus beaux que d'autres. À Paris, il y a de la meuf. Il y a du mec aussi. Mais aussi, bon, je dis ça, vous allez penser que je suis de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du périph'. Mais non, on a le droit de trouver des garçons beaux. Bah, bien sûr. C'est possible. Vous trouvez des filles belles? Bien sûr. C'est qu'entre filles, ça se fait. Ah, moi, moi, très souvent, je fais des compliments très belles. Tu sais que c'est la journée internationale du compliment aujourd'hui. Ah, vous êtes très belle. Nélou nous a rejoint en studio. Aussi, faut lui faire un beau compliment. Vous êtes très beau, Nélou. J'adore votre chevelure. Non, mais on peut trouver des gens beaux, franchement, on peut trouver des gens beaux. Et en fait, quand c'est un homme qui trouve quelqu'un de beau, je trouve que c'était un peu touchy. Ouais, ils ont honte, alors qu'en vrai, il n'y a pas de honte. Exactement, parce que j'ai un pote à moi qui s'appelle Willy, et il n'arrête pas de me dire « t'es beau ». Et tu sais, à un moment, je me posais des questions. Je dis « c'est tout le temps on te dit « t'es beau », marche, et tu verras si on te le dit encore. » Non, mais lui, il est trop bien habillé, et j'aime trop... il vient, il me dit « lui, il est trop bien habillé dans le but de Chaumont, j'aime trop son style, regarde, lui il est trop beau. » Je lui dis « William, t'as 4 enfants, faut qu'on parle. » Il me dit « non mais je suis en manque d'amour. » Et il me prend la cuisse, je fais « William, calme-toi. » Du coup je lui ai acheté un abonnement mime. Est-ce que vous savez ce que c'est un Bien abonnement sûr. Mime? Bah j'ai appris ça, mime ou OnlyFans pour les connaisseurs, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Eh ben franchement je vais vous expliquer, c'est la nouvelle mode, ça cartonne de ouf. C'est les Pélissard et Nathalie Andréani qui ont lancé ça. C'est pas qu'ils l'ont lancé, elles sont juste sur la plateforme. Oui, c'est ça, c'est des gens sur la plateforme et qui ont démocratisé cette plateforme. C'est un Instagram sexuel, quoi. Exactement, voilà. Vous avez fini la chronique. Non, mais en vrai, ils se prennent en photo ou en vidéo à poil et tu payes. Il y a des abonnements, quoi. Il y a des gens qui payent ça pour voir d'autres gens nus, quoi. Nus ou en train de faire des trucs pas très cachères, quoi. Ouais, voilà, catholique, cachère, Radio Zio. On n'est pas sur Kato FM ici. Non, mais moi, je suis en train de penser que je voulais peut-être créer un mime politique.
avec un ambassadeur, Christophe Barbier, on ferait un calendrier comme Clara Morgan. On se mettrait en tenue à thème. On fera le thème PS, full rouge, écharpe autour du cou. Le thème droite. On évitera les extrêmes. Pas que je les aime pas, mais juste, j'ai vu comment ils se sapaient à la France Insoumise. Louis Boyard, là, le mec qui s'est battu avec Hanouna, il a acheté une doudoune Tommy Hilfiger. Il se prend pour François Damiens, lui. En tout cas, je sais pas si ça va marcher, mais moi, tant qu'Hidalgo, elle est là, je continuerai à marcher. À demain soir. Merci beaucoup, David Azria. Et vous restez avec nous tout de suite. L'invité de Christophe Barbier, on n'a plus le temps malheureusement, François-Mickey Marty, président de Via Voice.